Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Aujourd'hui, nous sommes le 10, donc le 10 janvier 2022. Nous venons encore dans un nouveau numéro où nous allons parler de la République démocratique du Congo sur le sujet que nous avions commencé la semaine passée. Nous parlerons donc des 145 territoires et de la politique que nous devons mener pour arriver à bon port à ces projets-là que le président de la République et le gouvernement actuel, donc la magistrature actuelle, commence un peu à injecter cette idée-là que nous avions commencé, ça fait plus de 2 ans, où nous avions parlé de la réorganisation de la base. Donc nous allons parler de ces sujets-là. Et nous allons aussi essayer un peu de voir ce qui se passait avec le live que nous avions fait hier. Il y a eu beaucoup de questions qui sont restées pendantes. Nous allons continuer à expliquer le projet des 145 territoires. Comment nous pouvons surprendre, comment est-ce que nous pouvons y aller pour que nous puissions y arriver à bon port. Et Zala Lissoussou, et le Komoko Boete, que non. Il y a au bazar qu'on prépare parce que les gens aussi il faut le dire bah idée à malamu bah réalisation n'angoisse à la kata mususu mabe pourquoi parce que bah percevoir et l'eau quoi mabe donc tokolobela likambwana mais dans un premier temps avant que nous puissions passer à toutes choses nous voulions dédicacer cette mission nous n'avons pas l'habitude de le faire à un ami à un frère à un combattant qui Tozala nae depuis l'Académie de Beaux-Arts, Gino Will Mukasa, à Zanakati, États-Unis. Nous avions vu les images. Donc, émission où vraiment, dédicacée à Ngopoto souhaité au bon rétablissement. Image, nous avons vu là où vous étiez. En tout cas, malade au Ezako Tungisabatuna Mokileza et à Solo Ezali. Si vous avez l'opportunité de vous vacciner, Eza. Vraiment, vaccinez-vous parce que Ezali Kambwako, Yagete. Nzambe Asungi, en tout cas, ça nous a fait beaucoup d'émotions quant à la vidéo. On a vraiment cassé l'émission Oyo pour un bon rétablissement. Yo prend du temps un peu qu'il est de te remettre pour que on continue à faire la biso moussala Oyo. Il y a autre côté bisonio, surtout à Kubunde la Moka. En tout cas, vous êtes parmi les gens qui ont apporté le flambeau. Du combat au niveau États-Unis. Donc, nous vous dédions cette émission. Et puis, Kolanda Kabiso, vraiment, Mingi, Gino Mukasa, Naba, surtout au Académie, au Tozanango, au Tozanabango, en Afrique du Sud, na côté Afrique australe, Bamsou Bazana Zimbabwe, Bamsou Bazana Namibi, Topé Siombo, Tetolobi, en tout cas, Nzamba Sungayo, Titokoti Kalaka, na Losambo. En tout cas, nous sommes contents. De que obimi na libulo kota ki na ngon zambe asungi en tout cas ape ko sana kayo na ba prière na parce que nous avons encore besoin de toi na kati ya combat oyo ainsi dit tout le kasiko si je na biso mais avant de faire toute chose comme nous le faisons d'habitude nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur internet et puis nous revenons pour le développement 45 territoires, mais pas du comme vous avez vu dans le titre de cette émission. À tout à l'heure, donc, après la lecture de ce qui se passe sur la toile. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Nord Kivu, un présumé kidnappeur lynché par la population de Arubare. Et puis, RDC Primatire, de ces contradictions de la CAJ et de l'ODEP au sujet des effectifs du personnel. On va sur actualité.cd. Coronavirus, 8 mois impayés, les agents de santé commis à la prise en charge de malades menacent d'aller en grève. Et puis, le barrage de Boussanga, premier barrage hydroélectrique du Katanga via la coopération sino-congolaise.
On va sur actualité, Congo profond plutôt. Un Congolais détenu à Kigali dans une affaire de trafic d'ivoire. Et puis Kasumbalé, sa conseil urbain de la jeunesse, le maire de la ville passe à la vitesse supérieure et convoque l'assemblée générale et élective pour ce mardi 11 janvier. 7 sur 7. Ici, utilisation de bombes artisanales par les ADF, l'armée va renforcer les testeurs de métaux et des effectifs pour prévenir toute forme de terrorisme. Et puis, Samalou Kondé promet de redoubler l'effort pour que les gratuités de l'enseignement soient palpables pour la population. On va terminer sur Radio Okapi. Mbujimayi, les fidèles catholiques rendent hommage à Monseigneur Tshibangu. Et puis Debi Norubangi, début de la grève sèche du personnel scientifique de l'université de Guadolité. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro, au revoir. Voilà Bandeko, semaine passée donc, nous avons commencé l'année, donc nous sommes pratiquement dans l'année il ne lui reste que deux ans pour que mandat OESI là, exotique là, le président de la République, Moula Kaka Mibale. Et dans le cas de Moula Mibale, ce qui est total, de notre part, si nous regardons là où nous venons et là où nous sommes en train de partir, c'est comme si tout ça allait de mon côté. Moula Mibale, au président de la République, a passé na tête à la République démocratique du Congo. Et les Kinango kakape mbangu mbangu. Donc il n'y a rien qui, effectivement, et la kisi que non, en tout cas, mboka na biso et bimina bambu. Nous continuons toujours à voir batu o bazana mbongo, bazako mibeta tolo ke non, biso ne mtutoko no boye. Nous continuons à voir les Congolais clochardisés, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que batu oyo bayibi bayiba bakomi ko bazako continuer ko faire croire au peuple congolais que ce sont eux qui ont le monopole et ce sont eux qui peuvent faire quelque chose pour la reconstruction de ce pays. Mboka na biso za kanabombu ya batu. Nous n'avons pas encore parvenu à sortir ces craquants là. Craquant et Zanini, c'est-à-dire que le voleur est toujours là. Moïbi, Oyamboka, Azako, Ndamboka, Nabiso, Azali, Kaka. Nous avons porté l'espoir à Koloba que nos changements aux Allah. Nous avons défini ici, c'est-à-dire quoi les changements? Changement, Zali, te que non, Batum, Babima, Bamsusu, Bakota, te changement, Yangoana, te. Le changement que le peuple congolais attend, c'est le changement à ce que réveille à conscience. Na to sala babilo, to sala makambu, na ndenge ya oto salate. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait, Bandeko? Pour résumer ça dans le mot, ce qu'on n'a pas encore fait, c'est le fait de le fait yako se charge. Et c'est ça que la nouveauté, c'est ça que le Congolais attend, et attendait de longtemps, se prendre en charge. Qui peut me donner cet espoir que n'a qu'à me prendre en charge? Nani mutakoye langai na baide oyo ekope sangai kola kisangai que non, je suis capable de me prendre en charge. C'est ça notre changement que le peuple est en train d'attendre. Nyonso oyo koya, obo changer bato, obo changer gouvernement. Si nous ne parvenons pas à nous prendre en charge, ça sera inutile, ça sera du temps perdu. Tout ce que nous voulons attendre, c'est que le Congolais puisse se prendre en charge. Congolais bandakoyeba, nini yango kosala po mboka nae. Comment arrêter la corruption? Comment est-ce que moi, le type qui travaille à l'OCC, je peux être conscient que non? Il faut que na protéger ba intérêt mboka. Comment est-ce que je peux sentir que non mutu o azo sala aza soda, aza policier, aza maraîcher, aza important na mboka lobi te musala on azo sala, nazo sala pour que mboka nangai ekende liboso. C'est là le changement que le peuple congolais est en train d'attendre, mes chers amis. C'est ça en résumé. Et là, comme sous-sous, on a changé, on a sali ba élection, on a sali.
qu'est-ce que nous poursuivons? Nous poursuivons ce changement-là qui réveillera la conscience du peuple congolais à Kolobaké. Non, nous ne sommes plus dans le temps où Batwabande koyi bambongo, babande ko salabo, bande ko eloko wane ko komaka. Et kokomaka. Les États-Unis n'ont pas été faits dans 10 ans, dans 15 ans, dans 50 ans. Non. Mais il y a une chose. Atato lobi ke bambo kawana et se forja batou ba sud-africain ne bazak boe. Mboka na bango zo kende liboso et yakambala mokote. Non. Il y a eu les gens qui ont voulu à ce que ba mettre biloko oyo na kati ya nzela ya solo. Pour que Moutounyo soit à se retrouver. Bandeko, pas si koki kozala. Pas si koki kozala. Mais biso batu tozana, pas si amakasi tozo kime la kotoyo. Où on peut encore respirer. Batu bazana posa kokende poto, batu bazana posa kokende États-Unis. Batu bazana kokende. Oh, ba classe à malamu ndeza à l'étranger. Oh, souso. Non, nous voyons les gens à penser que non. Kwana na uti kotanga awa na kati na nani na ba journaux awa article moko eza koloba ke non ba turc ba tu a turquie ba turc ne ba koya ko sala propriété na kati ya ville ya Kinshasa. Le gouvernement est en train de collaborer avec cette instance ya ba turc pour ba ya ko gérer makambu ya salubrité et pas na biso eza somo. C'est ça le problème, le changement est en Guanaté. Nous sommes en train de brader notre pays. Tokofuta bangonini. Ces gens-là, bazo senga balobi, toko matana DRC. Regardez, boza na internet, aboyo kamakamboza kolekanata. Présidente, la dame à Tanzanie, alobi. Congo, DRC, Ezali, Zando, Moko, Amunene, Moutounyon, Soazo, Luka, Mwaye, Akota, Kakana. Parce que Mbongo, Ezali, Kuna, Mbongo, Ana, Euti, Wapi, Bandeko. Vous pouvez vous poser la question, d'où vient l'argent? Cet engouement de pays étrangers qui s'efforce à se Kota, Kakana, Bandeko, DRC. Mbongo, Ana, Ezako, Uta, Wapi. Est-ce que Zambongo, Abamine? Est-ce que Zambo? Non, là où il y a le risque, bandeko mbongo oyo ba multinational, oyo mbongo oyo ba FMI baza kotindika, eza mbongo moko ya kolokota. Les gens viennent ramasser l'argent comme ça. Tout ce que tu vas faire au Congo va produire. C'est ainsi que le pays, si vous voyez comment le Rwanda a été est construit. Comment le Kenya aussi est en train de voir comment Nani marché naïe. Vous aviez vécu, à un certain moment, je vous avais dit, tant que le président de la République a négocié dans Kenya, qu'est-ce qui s'était derrière ça? Et Zalaka, milliers de milliers de tracts qui ne pouvaient pas aller à Ituri. Il y a des habitants, il y a des commerçants à Kenya. C'est comme ça qu'ils se sont dit que bon, s'il faut sécuriser les routes pour que Bactrak Nabiso et Leka et Kendekokotna Nikuna, c'était ça la raison. Et qu'est-ce que nous en bénéficions et l'eau comme au côté? Et c'est ainsi que l'insécurité qui règne chez nous, tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, ce que Tikalindengwana, ce sont les autres qui en bénéficient. Yangwana biso toza ko réfléchir comment est-ce que nous pouvons sortir de ce trou là. Na contact pro life awa na ipsa kabino toujours que nous réfléchissons sur la voie de sortie de notre pays. Et c'est la voie de sortie où nous sommes dit na modèle oyo mboka na biso ezali bandeko. Na niveau oyo mboka na biso ekomi. Eza difficile po botia biso ntanga parce que tokoyoka na kate. Le problème est devenu tellement sérieux que Tokoyo Kanakate, le consensus ne viendra pas. Na système otozanango, consensus eko kate. Imagine-toi par exemple que nous avons encore un pays où le visa est na ba caché. Tozana nous na problème avec quittance. Oh, tu penses à Kabaresi. Oh, y'a Kokomana Maboko. Nous n'avons pas implémenté un système.
implémentation système wana ezako kozwa ba retard pour nanini parce que bamboka nyoso tout nous avions vu ici na loba ki ango lisusu que il y avait une bonne idée à digitaliser Congo. On a même créé ce département-là. Mais on n'en parle plus depuis un certain temps. Pourquoi? Parce que ceux qui t'ont digitalisé, ceux qui sont en train de profiter de cette histoire, de cette cacophonie, bah, perdre en haut. Et ce sont ces personnes-là qui deviennent de plus en plus des ennemis du Congo. Et puis, on fait croire au président de la République qu'il est sur le bon chemin. Azana Mzela Malamu. On fait croire au président de la République qu'il est là. Il est en train de faire un bon travail. En faisant perpétuer justement ce système ici qui ne marche pas, qui ne profite pas de nous, dont le pays ne profite pas. Alors, le chemin, c'est quoi? Nzeleza wapi? Bandeko, nous avons été très touchés. Avant là les cana solution na lobango na discours ya président tant toyoka ki et puis ça fait toller dans sur le réseau mokonziaza ko lobake no mboka et si okufa nango tout ça eza eloko mokoba koya koyibeza te tout ça. Le discours est très contradictoire avec ce que nous avions comme président au début de son mandat. Un président qui venait avec un engouement ya ko loya ko pèse espoir oyo ezako ko kundaye moko président il s'est enterré. Je ne m'attarderai pas sur ça parce que batumsusu bakolo ba oh non nazo finga président de la République. La solution de c'est quoi? Nous avons l'impression, avant que je ne vous donne la solution, nous avons l'impression que nous n'avons pas un leader. Et je commence à croire que le président Félix ne pourra pas apporter le changement. Non, il n'est pas porteur de ce changement-là. Il n'est pas même. Parce que c'est lui qui viendra, c'est un homme qui se sacrifiera à couper sa koloba. Non, c'est comme ça que nous devons faire. Nous comprenons les problématiques qu'il y a au Congo. Nous savons que le jugement atteint au tiers état des droits et aussi Mbakate. Parce que les gens sont déjà divisés. L'unification du Congo, et c'est par là où je vais commencer, l'unification du Congo commencera lorsque nous reconnaîtrons la valeur de tout un chacun, de tout Congolais, de quelque parti qu'il soit, qu'il vienne. Ah, Congolais, Koutawapi. Dans le tribu, lorsque les tribus commenceront à s'organiser, prendront conscience que non, nous devons survivre. Nous devons survivre dans un ensemble. Lorsque nous sommes tous ensemble, tout en se reconnaissant les efforts de chacun de nous, c'est là où commencera notre marche vers le développement. Pourquoi je dis ça? Lelo oyo biso toriko lingate ke muluba matela biso. Et la tendance est aujourd'hui, c'est que
ba tribu eza ko se matelana. Donc touro eza touro ya baluba, touro wana eza touro ya ya baswahili, touro wana eza la ki touro ya bangala. Vous comprenez? Et nous en avons marre, le peuple congolais en a marre. Mbongo ya douane oya efuta makana Kasindi e bénéficia ka jamais na batu ya Kasindi. Les gens qui vivent à Kasindi, ils voient passer les bamona kaba camion belé kota ka les commerçants. L'état congolais comment ils ont gagné DGM côté kuna kota sakambongo tout ça. Mais mbongo wana e bénéficia ka jamais na batu ya Kasindi. Donc, nous ne sommes plus propriétaires de nos terres. Et c'est là où que je suis en train de marteler chaque jour. Baga o eza ko salema, tolo ba état de siège, tolo baba, babiloko nyoso tout eza ko salema. Ça ne relèvera jamais notre pays parce que et comment na apogée nango eza ko kende ko sa ko s'enfoncer, eza ko kufa, nyoso eza ko boma mboka. Nous continuons à nous séparer plus de plus en plus de la solution. Tozo kende ka musika musika na solution. Solution eza ko benga. O toza ko benga ba état généraux ya ba territoire bandeko. Nazo beta setene loko o parce que je suis convaincu que si les états généraux sont convaincus, to tiana nu makambu o ya ba élection à côté, to bongisana nu mboka. Qui peut le faire? C'est un président courageux. Oya kolobate, to kende boete, tozo kende nulle part. Et celui qui peut le faire aujourd'hui, s'il était courageux, c'était le, ce n'est que le président Félix. Félix n'a qu'aucune cause de décision kolobate, tozo kende mabe. Arrêtons-nous, reconstruisons le pays, mettons les choses en place pour que toza la kanaba élection à malam pour tokobanda wapi. C'est de réveiller la conscience du peuple congolais en lui disant vous devez faire ça vous de vous-même. Exactement muto akouta Kinshasa ne muto kendo sala identification na ber na Lubero bien na BNT. Exactement muto akouta Kinshasa muto kendo ko sala projet ya construction en route ya Kalemi. Non. Ezaba tu ya Kalemi muto bakoyeba biso toza na mbongo combien nani yango akosala nini awa. C'est là l'idée, idée yango wana nani yango akosala nini na mbandaka awa. Biso bato Équateur, qu'est-ce que nous avons banzete na biso économie na biso auto ko ko réorganiser yango ndenge nini pour que tous to e bénéficier na bana mboka. Comment est-ce que nous devons implémenter une administration ya ko retracer que non bourbier oes e kotisaka mbongo. Mbongo yango eza autant toko pesa yango na république mais o ekotikala biso toko tonga out ba programme na biso to sali yango na kati ya biso moko awa. Et que ce programme là na ndenge ya réalisation yango biso moko toko koyeba ko contrôler yango koyeba nani aza nani nani azo sala nini. C'est là où nous devons aller. Le président de la République aujourd'hui, s'il ne le fait pas, c'est parce que il a été déjà absorbé na kati ya eloko wana ya batu oyo ba ennemi ya Congo o baza kolinga statiko etikala. Et pour y arriver bandeko, pour arriver à appeler ces conférences là, il faut casser, il faut dire, il faut déclarer un nouvel état otoza kolinga ko construire, c'est-à-dire la 4e République. Nous devons déclarer que donc, en 2023, nous devons entrer dans la 4e République. Et la 4e République consistera à ce que le Congolais puisse se prendre en charge. Batuna, katia ba ville na bango, na katia ba biloko na bango, vous devez contrôler le projet de réalisation. Bandeko, modèle na biso, eza modèle te ke toko kopia ngon na ba européen ou bien toko kopia ngon na ba États-Unis. Non, ça doit être propre à nous où le Congolais pourra se dire que non. Ngai naza fier que système auto tient en place et que nous pouvons le contrôler, nous pouvons le mettre en exécution et que tombe la école au Congo. Sans cela, nous sommes en train de patauger tozo kende place tozo ebate. Et c'est ça que nous disons, que nous appelons. Nous appelons, nous faisons un appel vraiment. Yabatu obaza kolinga, boba bandima kike projet à 145 territoires et ça l'a réalisé. Mais moi je demanderai au président Fatshi,
de ne pas engager ba dépense à kokanisa que non c'est mbongo nde batu bakotinda kuna non. Nous devons réformer une nouvelle état batu ba banda ko réfléchir au niveau des territoires. C'est pour cela que nous sommes dit la solution, c'est de renvoyer tous les députés là, c'est de renvoyer tous ces sénateurs là, d'aller chacun dans son propre coin, d'aller réfléchir dans son propre coin. Bango na ba kende koyeba nini ango photo sala. Mais na biso awa nous avons un carnaval ya koloba, comment nous pouvons le faire? Carnaval ezali ezate que tozo luka musala, mais bien sûr ce qui bazana besoin biso que tozala batu ya ko implémenter lo kwana, nous ne refuserons jamais. Nos mains sont propres. Nous n'avons pas besoin d'argent. Tous en a besoin en bon côté. Tous en a besoin que le peuple à la base puisse se prendre en charge, bas s'organiser à Koloba Keno. Bandeko, Kasai na biso biso to lingi te Kasai ezalami satu bien mine ou bien mitano. To lingi grand Kasai ou bien to lingi grand Équateur ou bien to lingi grand Kivu, to lingi Bandundu, grand Bandundu. Il faudrait que cette voix-là puisse venir. Na population bis bango moko biso moko tokolo bake non ndenge batindi biso na territoire batindi ki biso na territoire na ba conférence na biso to lingi to zala ensemble. Par exemple, nous voulons nous réunir dans ce baoba toyo kanaka batu Équateur bako kolo bate biso au lieu to zala na ba Équateur misatu mine ndenge zala ki Équateur ya munene. Si nous pouvons nous entendre tout ça là de lié à grand Équateur bananyo so Équateur ceux qui t'ont comme se mettre d'accord ou tokolobela likamoko tant mieux. C'est là le consensus dont je suis en train de parler. Consensus c'est aux que non batou ba vandi na table ronde na moko balobi te biso awa, voici l'économie, comment est-ce que nous allons la transformer. Voici nos moyens, voici nos possibilités. Si le Congolais ne parviendra pas à le faire de lui-même, toko makape sika mon côté. Toko za banda ozala kaka, ba mindele ba kubanda koya, ba kolobi, awa bozana or, toko pesa bino bo biso to ekipe, ya toko banda kaka ko rekurir na batu msusu. Or, ce pays ne sera jamais construit par quelqu'un d'autre qui viendra à l'extérieur. Et ka construit na bana Congo. Mboka na biso ekozala ka construit na bana Congo. Bana Congo ne pa ko construisa ka mboka oyo. Pas quelqu'un d'autre. Mutu mususu akoyaka ko bongisa mboka na biso te. Eza biso. Toki to pesi to teki mboka na biso ekozala biso nde moko to koteka mboka wana. Bandeko, les Chinois sont prêts. Ya koya ko envahir na ko exploiter biso na ko sala biso ba esclaves. Les Pakistanais sont prêts. Bamboka nyoso baza koya kozuluba ya koloba no bakangi parti oyo basali biso ba esclave to komi ko bango. Et ils ne construiront jamais ce Congo là parce que c'est pas chez eux. Ba yebi eze pa na bango te. Alors ceux qui déjà na niwana yo kozwa muluba akende ko construire beni et kozala na moment. C'est ainsi que nous disons, annonçons la 4e république. Et pour construire cette 4e république, la première des choses à faire, ce sont les états de lieu de territoire. Na kati ya ba structure wana muke, selon moi, les 26 provinces doivent rester comme elles sont là-bas. Dans les 26 provinces, il y a des territoires dans ces 26 provinces. Na ba territoire wana okuta, na kati ya ba territoire mususu eza na na 5 tribus, 4 tribus, 7 tribus, ba tribus ba no la ba tribu wana ba kende ko organiser ba conférence wana afin pour réfléchir comment nous allons d'abord le premier projet ça sera l'identification de population. Et c'est là où je vais m'arrêter parce que lobby dans notre prochaine émission nous allons parler de comment l'identification devra être faite. Identification à population ko sale mandenge nini. Voilà, donc ne rate pas l'identification de la population dans Abisso et Kolanda. Comment est-ce que nous devrions nous identifier? Comment est-ce que nous allons préparer le fichier de l'identification? Et ça simple. Bokoyo kayango bino. Borate angote na prochaine ambition Abisso. Alors, bon abatunyo so obarlandi biso pour la première fois. Ce qui est la première fois,
tika-moi commentaire, abonnez-vous si vous voulez. Ils n'ont jamais cliqué sur la petite cloche pour que baza émission asika. Tata msusu erto za la ka live. Soko tia ki cloche et ko avertir yo que non mais za live. Ou bien parce que nous sommes aussi comment il est là. Ba live na ko banda ko za la libanda. Bonne Zako pe sa pe na émission na biso zo pe sa po émission na biso ezala beaucoup plus suivi et puis ezala surtout son ki botiki ba moi j'aime wana et ça la ka bien pour que émission na biso ezala na moi visibilité na kati ya YouTube ou bien na Facebook. En tout cas, merci beaucoup. Ne manquez pas notre prochaine émission où nous allons parler de l'identification. Comment l'identification devra se faire. Merci beaucoup. En tout cas, on se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.